Tom la dépanneuse. Bonjour Peter. Belle journée pour faire un tour, n'est-ce pas? Oh, ça alors, ton moteur fume. Pas de panique. Allons chercher de l'aide. Bonjour bébé Tom. Tu penses que tu peux remorquer Peter jusqu'à l'atelier de ton père? Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et si nous appelions ton père? Et ensuite, tu pourras l'aider avec les réparations. Tom, Peter, la voiture de la poste a besoin d'un dépannage. Peux-tu la remorquer jusqu'à ton garage? Parfait, allons-y. Vas-y, Tom. Il est droit devant. Hey, Peter! Tom est là pour t'aider. Il va te remorquer jusqu'à son garage et te remettre sur roue en un rien de temps. Alors, quel est le problème, Tom? Oh là là, ce filtre a l'air très sale, non? Aïe! Est-ce que c'est la culasse? J'imagine que Peter en a besoin d'une nouvelle. Par quoi on commence? Ah, je vois! Le filtre à air. Bonne idée. Haha, joli lancé. Et ensuite? Non, ça ne va pas marcher. Voilà. Il est temps de remplacer la culasse. Ce n'est pas grave. Bien essayé, bébé Tom. Et voilà! Bravo! C'est tout, Tom? Waouh! Tu travailles vite! Peter, tout est en ordre. Comment te sens-tu?
Oh, c'est très gentil de ta part, bébé Tom. Alors, tu vas terminer ta tournée maintenant, Peter ? Génial. Amuse-toi bien. Au revoir, bébé Tom. Au revoir, Tom. Au revoir, les amis. À la prochaine. Tom la dépanneuse. Bonjour, Tyson. Que fais-tu de beau aujourd'hui ? Tu amènes de l'essence à la station-service ? C'est quoi ce bruit ? C'est Matt, la voiture de police. Quelque chose ne va pas, Matt ? Tyson doit s'arrêter immédiatement. Arrête-toi, Tyson. Freine. Quel est le problème, Matt ? Il y a de l'essence qui s'échappe du réservoir de Tyson ? Où ça ? Sur la route ? Oh non ! Ça pourrait être très dangereux. Nous ferions mieux d'appeler Tom la dépanneuse à l'aide. Tom ! Hé ! Tom ! Tyson, le camion-citerne a besoin de ton aide. Peux-tu aller plus vite ? Il y a de l'essence partout sur la route. Si une voiture venait à glisser dessus, cela pourrait causer un gros accident. Les voilà ! Ralentis, Tom. Il ne faudrait pas que tu glisses sur une flaque d'essence. Super, Tom. Maintenant, conduis prudemment. Tyson ! Tom est là pour t'aider ! Devrions-nous remorquer Tyson jusqu'au garage ? Non ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as raison. Nous devons nous assurer que la route soit sûre. Que devrions-nous faire alors ? As-tu une idée, Tom ? Excellente idée! Matt, la voiture de police, peut rester ici et empêcher les autres voitures d'emprunter la route. Pourrais-tu faire ça, Matt? Excellent! Maintenant, nous pouvons remorquer Tyson jusqu'au garage, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Il y a un trou. Tu as raison. Nous devons boucher le trou avant que Tyson ne reprenne la route. As-tu quelque chose qui pourrait nous aider ? Excellente idée. Emmenons Tyson au garage maintenant. Ce scotch ne va pas rester en place très longtemps. Super travail, Tom. Au revoir, Matt. À bientôt. Nous sommes presque arrivés. Nous ne sommes plus très loin. Que devrions-nous faire en premier, Tom ? Très bonne idée. Réparons le trou dans le réservoir d'essence de Tyson. Comment allons-nous faire cela ? Est-ce que c'est un fer à souder ? Très bonne idée. As-tu besoin d'une paire de lunettes de protection ? Fais attention, ça a l'air très chaud. C'est parfait. Y a-t-il autre chose que tu pourrais faire pour lui ? C'est une pompe à essence ?
Excellente idée! Remplissons le réservoir de Tyson pour remplacer toute l'essence qu'il a perdue sur la route. Parfait! Très beau travail! Est-ce que c'est bon? Tyson peut-il retourner sur la route? Pas encore? Oh oui, en effet! Tyson est couvert d'essence! Nous ferions mieux de le laver d'abord. Qu'allons-nous utiliser? Un spray de nettoyage? Un chiffon, peut-être? Ou devrions-nous utiliser l'éponge plutôt? Bravo, Tom! Tyson est propre comme un sou neuf! Es-tu content, Tyson? Tu es resplendissant! Au revoir, Tyson! Au revoir, Tom! À bientôt! Tom la dépanneuse. Bonjour, Dane! Que fais-tu de beau aujourd'hui? Travaille avec Charlie sur le chantier? J'ai l'impression que vous travaillez très bien ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cela ne me dit rien qui vaille, Dane. Nous devrions appeler Tom la dépanneuse pour nous aider. Tom! Hey, Tom! Dane, la grue de démolition a besoin de ton aide. Peux-tu venir rapidement? Super! Allons-y alors! Il est sur le chantier! Ne t'en fais pas, Dane! Tom sera bientôt là! Il arrive! Remorquons-le jusqu'au garage pour analyser le problème! Bravo, Tom! Beau travail! Quelque chose ne va pas? Tu as raison! Nous devons aussi amener la boule de démolition au garage. Comment vas-tu la transporter? Excellente idée! Demandons de l'aide à Charlie. Charlie, pourrais-tu nous aider à transporter la boule de démolition de Dane jusqu'au garage? Excellent! Maintenant, allons tous au garage. Bravo, Charlie! Alors, quel est le problème, Tom? Oh! Le câble est cassé? En as-tu un de rechange pour le remplacer? Oui? Super! Est-il dans le tiroir du haut? Essayons celui du bas alors. Pas là non plus. Il doit être dans celui du milieu. Le voilà! Bravo! As-tu besoin d'autre chose? Il te faut une clé? Bonne idée!
Celle-là semble être de la bonne taille. Par quoi devons-nous commencer? Faut-il retirer le câble cassé d'abord? C'est super, Tom! Essayons le nouveau câble pour voir s'il va bien. Parfait! Maintenant, il faut attacher la boule de démolition dessus. Peux-tu la soulever, Dane? Excellent! Très beau travail, Tom! Y a-t-il autre chose que tu veux réparer? Tu penses qu'il lui faut de nouvelles chenilles? Excellente idée! Celle-là semble parfaite. Il t'en faut une autre, non? Bien sûr! Bravo! Devrait-on commencer par la chenille de gauche? Super! Maintenant, remplaçons la chenille de droite. Comment te sens-tu, Dane? Tu es splendide! Tom, Dane peut-il retourner au travail maintenant? Ah non? Pourquoi ça? Tu penses qu'il faut nettoyer ces vitres? Tu as raison, elles en ont bien besoin. Ce doit être à cause de toute cette poussière sur le chantier. C'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, Dane est prêt à retourner au chantier pour aider Charlie. Au revoir, Dane. Au revoir, Tom. Bonne journée. La super patrouille. Bonjour, Matt. Comment vas-tu? C'est ton anniversaire! Et tu travailles aujourd'hui? Tu devrais sûrement faire réparer ce gyrophare d'abord. Ça fait longtemps qu'il est cassé, non? Si ça se trouve, Franck en a un de rechange que tu pourrais utiliser en attendant. Nous voici à la caserne de pompiers. Et regarde, Franck est là. Oh mince, Franck ne peut pas prêter son gyrophare à Matt, car il l'a perdu, et celui de rechange est cassé. Quelle coïncidence. Et Matt, peut-être qu'Amber l'ambulance en a un de rechange. Ou sinon, elle pourrait peut-être te prêter le sien. Chouette! Franck veut t'accompagner! Super! Voilà Amber! Et elle a un gyrophare! Matt et Franck arrivent! Mais pourquoi Franck a-t-il l'air aussi inquiet? Le gyrophare de Matt est cassé et il en a besoin pour patrouiller. Tu pourrais peut-être lui prêter le tien, Amber. C'est son anniversaire aujourd'hui.
Waouh! Amber était pressée. Elle doit avoir besoin de son gyrophare si elle a une urgence. Et si nous allions rendre visite à Tom? Il doit sûrement avoir un gyrophare de rechange quelque part dans son garage. Franck a raison. Vous devriez vous séparer pour chercher un gyrophare et vous retrouver au poste de police à midi. Hey Tom, Matt a besoin d'un nouveau gyrophare. En as-tu un? Quoi? Tu n'en as aucun? C'est bizarre. Il était vraiment pressé, comme tout le monde à Car City aujourd'hui. Oh, pauvre Matt. Allons, il nous reste un peu de temps avant d'aller retrouver Frank. Faisons un tour en ville. Nous allons peut-être rencontrer quelqu'un qui a un gyrophare de rechange. Cette horloge indique presque midi. Tu devrais retourner au poste de police pour retrouver Frank. Il aura peut-être une bonne nouvelle. C'est étrange. Frank n'est pas là. Oh, c'est une fête surprise. C'est sûrement à cause de cela que tout le monde était tellement pressé. Et regarde tous ces gyrophares. Tu es le seul à ne pas en avoir, Matt. Attends un peu. Je crois que tes amis ont quelque chose pour toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un nouveau gyrophare! Joyeux anniversaire, Matt! L'atelier de peinture de Tom. Amber, l'ambulance doit être sur le chemin d'une urgence. Regardez-la. Attendez, elle sourit. Tu vas à l'atelier de peinture de Tom? Super! Bonjour Tom. Amber est là pour un relooking. Bonne question Tom. Amber, sais-tu en quoi tu voudrais te transformer? En une belle vache? Est-ce que ça existe ça? Ok, Amber. Suis Tom dans son atelier. Tu dois avant tout mettre des lunettes de protection, Amber. Oh oui, on doit aussi enlever tes gyrophares. Ok, tu es prête. Quelle couleur principale vas-tu utiliser, Tom? Il y a des vaches de toutes les couleurs. Bonne idée. Commence par le marron et ajoute d'autres couleurs après. Eh bien, tu ne ressembles vraiment plus à une ambulance. À quoi ça va servir? Tu vas l'utiliser pour asperger de la peinture sur Amber? Ce n'est pas un travail de peinture ordinaire. Tiens-toi prête, Amber. Tom, c'était une excellente idée. Maintenant, tu dois trouver une couleur chair pour le museau d'Amber.
Tes roues ressemblent maintenant à des sabots, Amber. C'est la bonne. Et cette brosse est juste de la bonne taille. Oh oh, on dirait qu'Amber va éternuer. Ça t'a chatouillé? Plus de pinceau maintenant, Amber. Juste quelques accessoires. Voyons d'abord ce qu'il y a dans ce grand coffre. Amber commence vraiment à ressembler à une vache avec ça. Ça a l'air bien, mais quelque chose ne va pas. Les vaches ne portent pas de lunettes. Hé, Tom, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Des cils. Tu as raison, Tom. Les vaches ont vraiment de beaux yeux. Et tu avais raison aussi, Amber. Les vaches sont vraiment belles. Tom, tu as encore fait un excellent travail. Tu peux être fier de toi. Amber adore son relooking. À bientôt, tout le monde. Tom la dépanneuse. Bonjour, Bobby. Que fais-tu de beau? Tu vas rendre visite à ton ami Hector l'hélicoptère? C'est une bonne idée. Très belle journée pour naviguer. Hé, hey, Bobby, que se passe-t-il? Ce bruit ne me dit rien qui vaille. J'ai l'impression que tu as un problème. Je vais aller chercher Tom, la dépanneuse, pour t'aider. Tom! Hé, hey, Tom! Bobby, le bateau a besoin de ton aide. Bonne idée, Tom. Nettoyons le garage pour qu'il soit propre et prêt à accueillir Bobby pour le réparer. Quelque chose ne va pas? Tu as raison. Bobby n'a pas de roue. Tu vas devoir trouver un autre moyen de l'amener au garage. As-tu une idée? Qu'est-ce que c'est? Où vas-tu, Tom? Vas-tu utiliser la remorque? C'est une excellente idée! Bravo! Maintenant, allons chercher Bobby. Il est dans la rivière, près du pont basculant. Peux-tu aller plus vite? Super! Nous devrions arriver en un rien de temps. Hé, Bobby! Tom est là pour t'aider! Comment vas-tu le faire sortir de la rivière? Tu ne peux pas le remorquer d'ici? Très bonne idée! Allons chercher Charlie la grue pour nous aider. Charlie! Hé! Hey, Charlie! Tom, la dépanneuse, a besoin de ton aide. Peux-tu l'aider à sortir Bobby le bateau de la rivière? Par ici. Nous y sommes presque.
Voilà Charlie, les amis. Il va nous donner un coup de main. Super travail, Charlie. Que vas-tu faire maintenant? Très bonne idée. Recule doucement et tire Bobby hors de l'eau. Fais attention, ne va pas trop vite. Beau travail, Charlie. Mais comment va-t-on amener Bobby sur la remorque de Tom? Bonne idée. Peux-tu te rapprocher un peu? Maintenant, Charlie, peux-tu mettre Bobby dans la remorque? J'ai l'impression qu'il pèse très lourd. Allez, Charlie, tu peux y arriver. Beau travail! Bravo! Amenons Bobby au garage maintenant. Nous sommes arrivés. Nous allons te réparer et tu pourras retourner à l'eau en un rien de temps. Il faut l'inspecter pour trouver d'où vient le problème. Tu as une idée de ce qu'il se passe, Tom? Il y a un problème avec le moteur de Bobby. Pas étonnant que tu aies eu du mal à bouger. As-tu un moteur de rechange qui pourrait lui aller? En voici un. Voyons voir si c'est le bon type de moteur pour un bateau comme Bobby. On dirait que ce moteur est pour un plus gros bateau. Ne t'en fais pas, Bobby. Tom va trouver un moteur parfait pour toi et tu seras comme neuf. Veux-tu essayer celui-là, à gauche? Ce moteur va-t-il mieux lui aller? Parfait! Super travail! Pouvons-nous faire autre chose pour lui? On dirait que son ancre est un peu déformée. Comment vas-tu la réparer, Tom? Avec un marteau! Bonne idée! Ne bouge pas, Bobby. Est-ce que c'est assez droit, Tom? Tu as raison. Et maintenant? C'est parfait. Très beau travail. Quelque chose d'autre? Oh, tu penses que Bobby a besoin d'un nouveau gouvernail? Est-ce que celui-ci va lui aller? Essayons-en un autre. Que penses-tu de celui-ci?
Oh non. Peut-être que celui-là va lui aller. Essayons-le. Qu'en penses-tu, Bobby? Il te va comme un gant. Qu'y a-t-il, Tom? Tu veux réparer autre chose? En effet, Bobby est un peu sale. Très bonne idée, lavons-le. C'est super, Tom! Bobby brille comme un sous-neuf. Regarde comme il est heureux! Ramenons-le à la rivière maintenant. Au revoir, Tom! Au revoir, Bobby! À bientôt! Super Truck. Bonjour Rocky, c'est un grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu dois être impatient. On dirait que tout est prêt pour ton décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lancement. Bon vol. Waouh, Rocky est en route pour l'espace. Bien vu, Tom. Tu vas pouvoir mieux voir le voyage de Rocky avec ça. Oh non! C'est un astéroïde! Attention! Tu vas bien, Rocky? Tom, Rocky a été touché. Appelle Super Truck, s'il te plaît. Carl, Rocky a besoin de ton aide. Il est coincé dans l'espace.
En quoi vas-tu te transformer pour pouvoir voler jusqu'à la Lune, Super Truck? Tu es une super fusée! Préparation au décollage! 3, 2, 1, go! Tiens bon, Rocky! Super Truck vient à la rescousse. Comment vas-tu ramener Rocky, Super Truck? Et voilà! Maintenant, tu as accroché pour ton voyage de retour sur Terre. Bonne idée, Super Truck. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut aller jusqu'à la Lune. Tu devrais prendre un selfie. Il est temps de retourner sur Terre. Merci, Super Truck. Grâce à toi, le voyage de Rocky vers la Lune s'est bien terminé. Oh, et vous avez un souvenir de votre voyage. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Super Truck. C'est la nuit à Car City et tout le monde est profondément endormi. Waouh ! Ce n'est pas passé loin, Pickle. Mais que se passe-t-il ? Tu vas voir ce que c'est ? Fais attention. C'est Dane, la grue de démolition. Il est en train de détruire Car City. Tu crois qu'il est somnambule? Tu as raison. Il porte encore son bonnet de nuit. Tu peux peut-être le réveiller? Plus fort, Pickle! Oh non! Il va falloir beaucoup plus de bruit pour le réveiller. Tu as raison. Il faut faire appel à Super Truck. Oh! Carl, regarde par la fenêtre. Pickle a besoin de l'aide de Super Truck. Dane est somnambule et il démolit toute la ville. Mais le klaxon de Pickle n'est pas assez fort pour le réveiller. Il est temps de te transformer! Tu vas devoir devenir quelque chose de très bruyant! Un camion sirène! Génial!
Ça, c'est bruyant. Dane ne va pas pouvoir continuer à dormir avec ça. Et voilà Super Truck! Incroyable! Il est toujours endormi! Augmente le volume, Super Truck! Plus fort! Plus fort! Tu as réussi, Super Truck! Il s'est réveillé! Dane, tu étais somnambule et tu as tout détruit avec ta boule de démolition! Oh mince alors! On dirait que la sirène de Super Truck a réveillé les voisins! Écoutez tout le monde, Dane est désolé. Il dit qu'il va immédiatement nettoyer cette pagaille. C'est gentil, Pickle. Je suis sûr que Dane serait content d'avoir un peu d'aide. Excellente idée! Super Truck va mettre de la musique sur sa super radio. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser tout en nettoyant. L'atelier de peinture de Tom. Bonjour Hector, où vas-tu? À l'atelier de peinture de Tom. Chouette! Quel personnage veux-tu être? Un dragon? Hé, hey, attends une minute. Ce n'est pas l'atelier de peinture de Tom qu'on vient de dépasser? Hector, tu étais trop excité à l'idée de devenir un dragon que tu as oublié le chemin. Bonjour Tom. C'est le son des hélices d'Hector. Il doit être dehors. De quoi avons-nous besoin en premier pour transformer Hector en dragon, Tom? Des pattes de dragon? Ok. Peux-tu monter un peu en l'air? Tu peux redescendre maintenant, Hector. Quoi d'autre? Des ailes de dragon. Génial! Ne t'en fais pas, Hector. Tu pourras les récupérer. Elles ressemblent à de vraies ailes de dragon. Et une queue? Peux-tu la remuer, Hector? Est-ce qu'Hector a la bonne couleur pour un dragon, Tom? Devrions-nous le peindre?
Parfait. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose, Tom? Des écailles de dragon? Tu as beaucoup à faire. Waouh! C'est prêt maintenant, Tom? Une touche finale? Des cornes! Exactement comme un vrai dragon! Peux-tu cracher du feu comme un vrai dragon? Bien sûr que tu ne peux pas, Hector! Que dirait Frank si tu pouvais faire ça? Troy le train! Salut Troy! Joyeux Halloween! J'aime bien ton costume! Salut les bébés voitures! Pourquoi ne vous amusez-vous pas? Oh non! Il n'y a plus aucun bonbon dans le village? Tu as raison. Nous devons aller à l'entrepôt et trouver un nouveau véhicule qui pourra amener des bonbons aux bébés voitures et sauver Halloween. Tenez bon, les amis. Nous revenons bientôt. D'accord. Allons rencontrer notre nouvel ami. Quel véhicule va pouvoir sauver Halloween pour les bébés voitures? Un tracteur? Une ambulance? Une voiture à bonbons? Bonne idée! C'est une voiture à bonbons qu'il nous faut! La voici! Amenons cette voiture au terrain de jeu. Déchargeons les pièces pour commencer. Waouh! Elle est déjà presque assemblée! Bonjour, voiture à bonbons! Comment t'appelles-tu? Carrie? Bienvenue à Car City, Carrie! Carrie, nous avons une mission importante pour toi. C'est Halloween et il n'y a plus de bonbons à Car City. Peux-tu en apporter au bébé voiture? Super! Allons sauver Halloween! Oh.
Les enfants, voici notre nouvelle amie Carrie. C'est une voiture à bonbons. Voulez-vous voir de quoi elle est capable? C'est incroyable, Carrie. Bonjour, comment allez-vous, les amis? Carrie, les grands sont tristes de rater Halloween. Et si nous allions leur livrer des bonbons à eux aussi? D'accord, super! Nous avons plein de bonbons maintenant. Merci encore, Carrie. Joyeux Halloween! À la prochaine! Les camions constructeurs. Waouh! Car City est splendide avec ses décorations de Noël dans les rues. Joli travail sur ce bonhomme de neige, les enfants. Bonjour, les amis. Excellente idée. Un sapin de Noël géant serait super au cœur de la ville. Qu'en pensez-vous, les amis? D'accord, mettons-nous au travail. C'est un superbe endroit pour un sapin. Edgar, peux-tu creuser le trou? Je suis sûr que Sam, le chasse-neige, pourra retirer cette couche de verglas. Sam, l'équipe de construction a besoin de toi. Hello Sam, merci d'être venu si rapidement. Peux-tu retirer cette couche verglacée? Super travail! Merci pour ton aide, Sam. C'est parfait, Edgar. D'accord, il ne nous reste plus qu'à mettre le sapin dans ce trou maintenant. Merci, Francis, mais ce n'est pas vraiment un arbre de Noël. Bonne idée, Edgar. Ce palmier ira très bien devant chez toi. Merci, Ethan. Charlie, peux-tu mettre le sapin dans le trou? Ensuite, Edgar pourra remplir le trou avec de la terre. Oui, comme cela. Beau travail d'équipe. Il est déjà beau. Ajoutons les guirlandes maintenant. Bonjour, Chuck. Merci beaucoup. Oh mince! On dirait que Chuck va devoir te démêler tout ça, Edgar. Essayons à nouveau, d'accord? Et voilà! Ça commence vraiment à avoir de l'allure. Je crois qu'il faut une chose en plus. Waouh, les enfants! Elles vont être splendides sur le sapin. D'accord, les amis. Il est temps de décorer cet arbre. Waouh! Impressionnant, bébé Francis! Je pense qu'il est maintenant temps d'allumer les guirlandes. Venez tous autour! Alors, les amis, que pensez-vous de ce sapin de Noël que l'équipe de construction a mis en place pour Car City?
Devrions-nous l'allumer? D'accord. Edgar, nous ferais-tu les honneurs? Oh, non, fais attention! Il va tomber! Dieu merci! Bravo, les amis! Waouh! C'était impressionnant! Bien joué, les amis! Cet arbre de Noël est magnifique! La mission est accomplie! Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous aussi, les amis! À la prochaine fois!